Et je suis blanc là du coup. Je vais dire bonne partie. Hop. On est contre un 3Q encore une fois. Donc 20 minutes, 5 fois 30. Cette fois, on va faire du Kosumi. Peut-être un Kosumi et un Oshi. Assez classique. Oh. D'accord. À penser. J'ai fait beaucoup durant le tournoi cette pince. Et je crois que bah, j'ai joué contre dans la partie contre Milena à 3 Dan, on a joué ce truc là. Et j'ai fait le truc nouveau quand Noir vient en C17, il y a un nouveau Joseki. Et du coup elle avait pas trouvé, mais sauf qu'elle a joué un truc particulier. Et après j'ai rejoué aussi contre Victor. Et il a pas trouvé non plus, donc c'était assez marrant de piquer un peu les adversaires. Bon, j'ai quand même perdu, hein, mais, contre Milena surtout, mais... ici, du coup, il faut que je... Bah là, on peut pas aller au-dessous, donc on va juste s'étendre comme ça. Donc comme ça. Peut-être un peu bizarre comme ça, c'est que c'est... J'ai 17, je sais qui ici, je crois. Tac, tac, tac. Tac, on protège, il vient là, on saute. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, ça se joue, ok. Ah, c'est parce que Pastèque demandait. J'aime pas du tout cette pince. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, de toute façon, pincé, j'aime bien de base. Le lieu et l'heure du rendez-vous du club de Brest est à jour sur le site de la FFG. Si j'arrive à faire un coucou, ou comme tu es sur Rennes, tu ne sais pas. Je sais qu'on vient de le mettre à jour sur KGS, mais je vais vérifier ça si tu veux. Clouk. FFG. Ouf. Parce que c'est vrai que je suis toujours licencié à Brest, mais je suis sur Rennes. Donc, les dimanches à partir de 15h dans l'espace central au Capucin, oui. Et les mardis à 19h au Sharkpool. Non, c'est bon, c'est ça. Ça a l'air d'être correct. Donc tu peux passer faire un coucou. Et au pire, par un Discord, je me demande si jamais tu venais à aller faire coucou. Tu pourras les prévenir ici. Ah non, merde, il y a le mien et celui-là FFG. Bon, je vais t'envoyer, je crois que sur leur site de FFG, il y a le... Pardon, c'est pas du tout ça. Ils ont un Discord, est-ce qu'ils ont mis un lien? Ah, ils ont pas mis le lien sur... Ah, c'est dommage, ça. Bon, je t'enverrai. Parce que là, je vais perdre du temps. Hop. On saute comme ça, et il peut pousser, tac, et tourner. Tourner dans le sens? Tourner dans le sens, je crois. Sinon, il faut check sur le Discord pour les différents rendez-vous. Ouais, c'est ça, voilà. Mais je me suis trompé là de. C'est pas ce Discord-là. Hop. On connecte et. Je crois pas que ce soit une coupe, hein, parce que. Ou en tout cas, s'il coupe, il faut couper de ce côté. Parce que s'il coupe de ce côté d'abord, il me laisse un Ponuki. Ce serait dommage. Alors que s'il coupe de ce côté, j'ai pas trop envie de prendre de ce côté la pierre. Donc s'il coupe là, je vais là. Et puis il prend la pierre. Mais ça a pas l'air très bon non plus parce que je peux monter, il monte et après je peux étendre jusque là. Là, les coupes ont pas l'air ok, hein. Je crois qu'il faut tourner. C'est le lien du Discord. Ok. Il faut. Toc. Merci Romain. Hop. Là, du coup, c'était Auréade qui demandait. Sylvain qui a gagné 3K. Ah oui, bah oui, il a fait 6 sur 7, c'est ça? Plutôt correct. J'ai tenté d'arrêter l'agressivité de mon côté. Du coup, je perds un peu plus vu que je change de style. Ouais, c'est ça, voilà, c'est le temps d'adaptation. Après, il faut pas être arrêté, coupé net l'agressivité non plus, hein. Ouais, ça tourne, c'est correct, c'est ça. Et là, je fais ça. Pas trop le choix, hein. Si je fais ça, c'est un peu bizarre. Tac, tac, et il va là. Après, je pense que c'est ça, tout simplement. Et là, je me demande si je saute pas.
Tac, et si continue Nobi, je fais Kosumi. Ok. Ça roule, ça roule. Bon, ici on est vivant. Et il approche ailleurs. Ok, est-ce qu'on pense? En tout cas, si je pense, je peux faire ça. Parce que là, le développement est quand même assez important. Si on fait la même chose en face, Noir serait beaucoup trop content. Même si c'est pas parfait, hein, parce que ici, on peut aller en Kema. Mais si je pense, je pense plutôt à de la quatrième ligne également. Ou alors, tac, 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 je vais là. Il est temps. Et comme je suis senté. Ouais, mais c'est vers sa pierre, j'aime pas trop. Je pense qu'on va pincer. On va passer. J'aime bien son pseudo. Go player go. D'ailleurs, j'ai marqué que de plus en plus de joueurs. Attends. Que de plus en plus les joueurs jouent en influx. C'est que moi ou c'est. Qu'est-ce que ça presse? 1, 2, 3. Putain, je sais plus lire. Il y a cette impression ou pas? Peut-être. Là, je ne sais pas trop. J'ai toujours aimé mélanger un peu. J'aime beaucoup faire un Oshi, un Komoku. Mais ouais, je sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais effectivement, il faut essayer d'avoir un équilibre dans les points, vraiment. Mais des fois, par exemple, si tu vois que tu as autant de points que ton adversaire, voire un peu plus, essaye de penser à la balance des forces, ce qui correspond assez souvent à l'influence. C'est pour ça, ici, là, je pourrais théoriquement prendre des points ici. Mais là, en cash pur, bon, je suis pas en retard, en tout cas. En plus, j'ai le commis. Il faut que je pense à... Ouais, ok, il faut que je fasse attention à ses forces. Il pourrait y avoir un moyeu assez facilement. Donc, je pince en quatrième ligne pour voir quoi. Je vais aller par là, non? Si je passe au tout, ça semble un peu bizarre. Ça, c'est pas mal expliqué dans le bouquin Attaque et Défense d'Akira Ishida. L'équipe des territoires et l'équipe des forces. Pour l'agressivité, sans le PC, je glande sur GoQuest en 9-9. Il faut que je tente ça, il y a pas mal qui m'en parlent. Enfin, tout le monde en parle même. Pas sûr que ça va être réellement brutal. Non, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc oui, il pourrait fermer par là, mais... La contre-pince en R10 de sa part va être violente. Je me demande si j'ai pas envie d'y aller. Enfin, si, j'ai envie d'y aller. Mais L3, lui, après. Ça pourrait être assez chiant, hein, ce L3. Si je fais ça, il pousse. Je vais là. Il pousse. Je vais là. Et là, la pince, elle fait mal, hein. Parce qu'en plus, si je veux sortir, c'est ça en face. J'ai l'impression que je suis un peu obligé d'aller par là. Mais c'est chiant, ça. Très naturel. Ouais, c'est ce que je fais tout de suite. Je vais le déclencher tout de suite. On va voir comment il le gère. Ce truc-là. Alors, on va couper. On va prendre ça et on va couper. Ah, il hésite. La connexion, la capture. Ah. Ok. C'est bien. Avec cette connexion, la réponse pour moi est plus facile parce que sinon, moi, j'aurais aussi hésité entre les deux, la tari ou la connexion comme ça. Bon, il capture. Hein. Ou il descend. Après, s'il descend, je peux faire Sané là. Il fait Atari. Je réponds. Et quand il fait Atari là, je peux descendre. S'il pousse ici, Atari.
Capture là-bas, Atari, va là-bas, tac. Ouais, il y a une séquence assez bizarre pour lui. En vrai, là. J'aime bien S3 par exemple pour lui même. S3 est pas mal. Ok, on va tenter ce que j'ai dit. Il y a sûrement plein de séquences que j'ai pas lues, hein. Forcément dans ma tête c'est la séquence idéale qui se dessine, mais forcément d'autres choses. Mais ça a l'air marrant. Si ça se joue, c'est marrant. Je sais pas si vous voyez tous, hein. Q2 pour lui, je connecte, il met Atari sur cette pierre, et du coup je descends. Il va pas aller de ce côté, sinon je récupère la pierre. Quoique il peut, hein, mais bon. C'est pas optimal, quoi. S'il descend ici, je peux faire l'Atari en S3. Du coup, il atterrit sur ces 4 pierres, il capture en R1. Mais je vais en S4. Et du coup, il a un Atari, donc il répond en R2. Et ensuite, bah, c'est 3 libertés contre 3. Donc je viens capturer ces pierres en S7. Et en bas. Bah, il a pas 2 yeux. Il devrait pousser ici. Je bloque, il va là, mais il est mort. Donc ouais, il n'a pas le droit de faire cette séquence, hein, ça c'est sûr. Ça serait compliqué pour lui. Ça a l'air compliqué. Bah au pire, si c'est pas ça qui se joue, je montrerai à la fin de partie. Mais il y a des trucs ici dans les options au-dessous, bah, là vous voyez pas du coup, mais où je peux jouer des séquences de mon côté, c'est ça, non? Attends, c'est quoi? C'est un peu bizarre au geste pour ça, j'aime pas trop faire ça, mais ça a l'air compliqué. Ou alors c'est des séquences qu'on a faites avant, qu'on peut jouer, rejouer pour montrer, pour expliquer les trucs. Je sais pas. Je vois Basgo faire ça en fait, et même hier je voyais Midnight the Blue qui faisait ça. Faut que je me prenne le même pas avant que lui derrière. C'est assez pratique. Ouais, il capture. Logique. Du coup, c'est tentant de venir en S2. Ça dépend si l'analyse est autorisée in-game ou pas. Ok. Je crois que créer des variantes, c'est seulement quand tu regardes les parties des autres. Ok. Salut Shenblood, comment tu vas? Ouais, ça semble gros. C'est la base de vie, hein. Base de vie d'un groupe ici. C'est agréable. Il peut encore couper. S'il coupe, je connecte ici. Et ensuite. S2, c'est le big cash move, comme je l'appelle. Ouais, il est agréable celui-là. Parce que sinon, de toute manière, il avait Q2 quasiment santé. Et ensuite, il capture la pierre. C'est un très gros goté, on va dire, quoi. Mais c'est agréable. P3, O4, pénible, non. P3. Atari, O4, Atari. Je suis pas sûr que ce soit pénible parce qu'après il doit encore connecter ses pierres du coup. Parce que si je coupe ici, ben, les coups n'auront pas servi à grand chose parce que ça m'aurait juste aidé à tout connecter. Donc après il va en O3. Le problème c'est qu'il m'aura aussi aidé ici, je suis plus fort. Et ici je suis plus fort. Donc il faudrait qu'il calcule est-ce que ça vaut le coup par rapport à S7 blanc. Ça peut être dangereux. Faut voir. P3 est dangereux? Vous trouvez? P3, tac. Tac. Après, j'ai pas trop de liberté. Bon, on va voir. Oui, elle passe la coupe. Ok. Sur S7 blanc, S6 noir, non? Ouais, mais ensuite. Ensuite, je vais là. Et s'il pousse, je fais d'abord l'Atari. Tac. Et ensuite, je bloque. Et s'il coupe d'un côté ou de l'autre, bah, je le mets en Atari. Quand je. Ouais.
Pas évident, pas évident. Moi, je trouve que T1 est dangereux. Un jour, peut-être. Ce sera peut-être le point vital. Ça semble ok. C'est dur à dire, il doit y avoir tellement de variantes, de variations. Et c'est vrai que là, quand on regarde, un des coups qu'on aimerait bien avoir, c'est O6. Ça rayonne, ça, sur le centre. Ça peut se finir sur un go. Ok. Bon, maintenant, ça devient urgent, effectivement. Ça devient gros. Bon, peut-être pas ce coup-là. Parce qu'il y a toujours ça. Tac, tac, tac. Oh, bah, ce coup-là, hein. Soumis, ça. Un peu, quand même, oui. Un peu. On a l'impression qu'il est... voilà, il fait 3 points, il est content. Enfin, 3. Il en fera plus s'il fait S8. Mais bon. Mais c'est vrai que l'objectif principal de ces pierres-là, ici, là, sa pierre d'approche quand même en quatrième ligne, est-ce que c'était de faire 5 points, on va dire, sur le bord? Enfin, j'ai l'impression que non, quand même. À la base, c'était de travailler avec ses pierres. Je me retrouve avec des points ici. On a quand même des pierres de ce côté. Celle-ci est abîmée. Compliqué. Et il me coupe pas. En vrai, c'est dur. Hein. En vrai, c'est un peu dur. R10 est bien placé là du coup. Ouais, c'est clair. Très bien. Est-ce que je risque grand chose s'il coupe? Parce qu'en fait, ça serait vraiment très intéressant d'aller en R15 maintenant, mais. Mais en vrai, connecté, c'est aussi la fin des soucis et j'ai zéro faiblesse. Alors que là, quand il coupe, un jour, on pouvait imaginer une approche par là, qui mènerait après avec cet Atari. J'ai pas l'impression que je risque grand chose, mais c'est moche quoi. Alors que là, par des soucis, peut-être des coupes comme ça attaquent violemment. Ça m'empêchera pas, ça, bah, ça m'autorisera à faire des trucs comme ça qui vraiment font que pour lui c'est douloureux et avoir un bon yossé par là. Ouais, je suis quand même en train de dire plusieurs arguments, donc on va le faire. Ça semble lent, mais peut-être que c'est un coup tout simplement honteux. Mais oui, ça c'est bon. Par contre, il y a cette coupe. Tac, tac, tac. Je peux pas pousser de ce côté, hein, c'est trop gros ça. Il donnerait autant ici qu'il est construit là. Mais en même temps, s'il pousse de l'autre côté, tac, il continue. Attention à ne pas donner trop au bord. En tout cas, je pense que même si ça a l'air bien d'aller là, l'IA, elle dirait sûrement elle va prendre le Sensen. Je pense qu'ici, il faut faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais... Je pense que la coupe, c'est ok. Son pseudonyme nous donne pas mal d'infos. Ouais. J'ai envie de couper. Créer 2 points de faiblesse. Allez. Tac, tac, tac. Le moyo, ouais. Noir S3 est pas si soumis. Ah ouais? Moi, je trouvais un peu très lent. Il est vivant, c'est une force enfermée, certes, mais une force quand même. Donc, pourquoi pas, non? Je trouve que c'est assez désagréable. C'est une des choses les plus agréables au go d'être enfermé, en fait. Surtout que c'est lui qui me mettait la pression, on va dire, à la base, quoi. C'est un genre de go. Jusque là, ok. Tu coupes pour réduire le moyo, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, hein. Même s'il fait par là, il y a toujours le Sensan. Moi, je peux sauter là, je pense. Coupe, tout, coupe, coupe. Je vais là. J'ai 3 libertés. S'il vient ici, on fait Atari. Protège. Ah, tac, tac, tac. Ouais. Tac, 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 tac. Il coupe. On fait Atari, il protège, il a 2 libertés. On va là. Même s'il capture, protège ici. Il a 2 libertés.
mettre Atari par là, Atari par là, puis il reprend la pierre. Mais il est bloqué. J'ai l'impression que ça passe. Fais-le courir, non? J'ai l'impression que ça passe, là, non? Il peut pas couper. Je me demande si S2 était si gros vu que Noir avait S3 ou S7 pour vivre. Et qu'en prenant S2, quand Noir répond, tu es goûté pour protéger la coupe. Après, c'était ma base de vie, c'était ça la théorie. C'est une fois ici. J'allais sauter comme ça, mais là la coupe est dangereuse. On va sauter comme ça. T'avais K7 plus long. K7, oui. Mais plus fort. Plus fort, tu penses? Ok. On regardera ça du coup. Ouais. Je vais essayer de revoir cette partie quand même. Ça a l'air intéressant. Et ici, ça veut aller par là. Alors ça, je comprends pas trop par contre. Il me renforce ici la connexion et ce groupe là ça fait mal quoi. J'ai pas trop compris là ça. Bon, il va servir de quelques points de plus. Je sais pas si je vais me faire tant que ça de points sur le bord droit. Il n'y a pas trop de potentiel. Il n'y a pas trop de potentiel. Ils sont assez durs à développer les bords en fait. Et le bord nord a la rigueur pour blanc. Mais sinon, ouais, c'est compliqué en fait avec les joseki qu'on a fait. Enfin, on a fait un joseki en fait, mais... Et là, je regarderai tous vos coups après. N'hésitez pas à le redire à la fin de partie quand on reverra à ce moment-là. Ça dépend des conditions dans lesquelles on vit. E18, c'est bon. S3, c'est pénible. Oui. Peut-être ça mon problème du moment, trop passif. Je suis passé d'agressif de haute. Ouais, mais je comprends, moi aussi je l'ai fait beaucoup. Il est en confiance avec ses pierres. Ah, ça donne envie de faire ça. Mais ça a pas l'air de bien marcher, mais. Est-ce que j'ignore? Non, il faut que je mette la pression. Tac. Il va ici. Je vais là. Il va ici. Je recule. S'il protège comme ça. Je peux enfermer. On va mettre de la pression. J'ai l'impression que c'est... très culotté de sa part de ne pas rajouter de coups ici. Et au pire, même s'il sort, continue à sortir, tout ça c'est vivant. Oula. Blanc, noir, blanc. Noir, blanc, il peut pas aller. Oula, il est mort. Ah, c'est moche. Ce que je voulais dire, c'est je gagnais de la puissance de toute manière ici au pire, même s'il courait, il faisait pas de points. De toute façon, ici, il n'y avait pas de potentiel, je disais. Et je faisais un mur face à son mur. Et ensuite, j'avais plus qu'à, entre guillemets, jouer sur le bord nord ou prendre le Sansan ici. Mais là, c'est moche. C'est gros, hein, c'est 5 pierres. En fait, c'est surtout c'est gros, ben, je vis ici, quoi. Coup dur, ouais. Coup dur, coup dur. Ouais, je suis coupé. Je suis coupé. Je vais pas faire atterrir ici, parce que sinon, ça s'est goûté. Donc, je vais juste aller là. Maintenant, il faut s'occuper de ces pierres-là. Merci pour l'abonnement, Cro. Merci beaucoup. Tu t'es pas abonné il n'y a pas beaucoup de temps, bizarre. Et ça n'a pas fait d'animation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'animation? Bizarre. Je sais pas du tout où je peux le relancer l'animation, désolé. Bah si, mais t'as pas stream pendant un temps certain. Mais comme je suis un connard qui gère pas mes abos. Bah merci beaucoup en tout cas, c'est sympa de ta part. Je peux aller là, non? Ou alors je monte. Faut pas que je lui laisse tout le bord droit, c'est assez dangereux je pense.
Si je fais ça et qu'il m'enferme, je vais là, il va là, je vais là. Il peut pas faire ça parce que Atari, tac, Atari. Et ici, il n'y a aucune séquence où il peut m'enfermer, j'ai trop de liberté. Donc, encore une fois, Toby, on connecte, tout simplement, je pense. Et merci beaucoup, en tout cas, Cro. Merci beaucoup. Et ouais, je sais pas pourquoi ça n'a pas mis l'alerte. Pourtant, il y a le truc. Bizarre. Et il va ici, ok. Ça m'a l'air très coupable, tous ces trucs, hein. Kema. Ah, Kema. Ça a l'air très très coupable. Si on va là, tac, et qu'on va ici. Peut-être qu'il faut pas que je cède à la tentation et que j'aille juste vivre. Tac, tac, tac. Protège, je descends. Je sais pas si j'ai assez de place. Blanc, noir, blanc. Si noir fait Atari ici, je peux revenir là. S'il connecte là. On peut capturer ici. De toute façon, s'il met Atari de ce côté, Atari, tac, tac. En fait, je peux faire ça maintenant même. Non, c'est peut-être pas très subtil. Et ça? Ça donne quoi? Tac, tac, tac. Ça, j'aime bien. Ça a l'air sympathique, ça. S'il vient là, on avance. S'il vient là. Prends cette pierre, tout simplement. J'aime bien ce coup-là. D'ailleurs, faut qu'on parle. Je suis passé cet après-midi sur OGS pour faire quelques Tsuji. Et là, je vois le breton connecté et j'ai vu. Je sais pas ce que j'ai vu, genre un chichot des enfers. C'est quoi cette horreur? Ouais, oui. J'étais tellement focus que je le lisais. Ah, il marche ce chichot. Oui, pour l'adversaire. Et j'étais, il marche ce chichot. Et je me suis tellement répété ça deux fois dans ma tête que c'était le mien. Et du coup, je l'ai joué. Mais oui, si vous voulez voir ce Cro fait référence, vous allez sur mon profil restauré. Aïe, c'est pas très beau. Ah ouais, il est incroyable. Hein. Il est incroyable. Je joue jusqu'au bout. La partie de vaincu. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, non, c'est. Ah, il a exploité en tournoi. Non, mais clairement. Ouais, je vois bien Chaim Bleu devant tournoi. Il est beau le chichot. Il est bien, il marche. Hein. Ça m'est arrivé cette semaine. Ouais, mais des fois, t'es tellement dans le truc. Salut Mickey, comment tu vas? Rassurant, ça arrive à du monde. Et là, Shiny Blue, il se dit, oh putain, tous ces adversaires à qui je peux le faire. En fait, c'est bien, tu peux le faire à plein de gens, hein, et il faut essayer en tournoi. Ok, bon. C'est pas très beau ce que je fais, non? Va capturer ça, il va connecter là, au pire s'il va là, tac tac, c'est pas grave, et s'il va là, tac tac. Ça va. J'ai un œil et je vais. Je suis obligé de prendre un deuxième. Ouais, c'est pas très beau. Mais c'était genre après 30 coups. J'ai vu ça en mode, mais. Je comprends. T'es pas en train de décéder paisiblement. Moi? Mais non! Je suis vivant. Mais c'est pas beau. Mais je suis vivant. Mais oui, là je fais n'importe quoi. Il faut que je sois un peu plus focus. Après, j'ai l'avance. Ah, le Santan ici, ça donne envie. Hein. Où ça? Ça. Ouais, merci, ça va, Mickey. Merci bien. Beau. Bof, y a pire, genre les parties d'un belge. Allez, ça c'est fait. On va aller par ici. J'ai envie d'isoler cette pierre en fait. Et là, on va par là, quelque chose du genre.
Ça, non, là on va se faire enfermer tout simplement. Peut-être le cou et l'épaule comme ça. Allez. Changer la musique. On va mettre Kim Wade. Mais en fait, c'est parce que c'est le même. Ah, c'est parce que depuis 1 heure, c'est le même album. Pour ça, c'était The Cure depuis tout à l'heure. Allez, hop. Parfait. Il abandonne moins vite que les autres adversaires là. Est-ce que c'est rattrapable la partie pour lui? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cash quand même. Hein. J'aurais peut-être dû capturer ici tout simplement. Peut-être que même s'il prenait ça, j'étais en avance, je pense. Je sais pas. Peut-être un peu gourmand de ma part. Hein. En tout cas, la capture sera grosse un jour. Je sais pas si t'as le commis. J'ai 6,5 commis, c'est indiqué ici. Pardon. Là. Ok. On va sacrifier cette pierre. Qu'elle m'a déchiré. C'est pas une évidence, c'est l'avance de blanc. Ah ouais? J'ai l'impression que j'ai. Que je suis mieux, je sais pas. Pas un peu jaloux, Q17. Bah c'est ce que je dis, ouais, justement, ça a l'air un peu ouais, bizarre. Les d'autres invasions ont l'air mieux. Ouais. D'autres invasions ont l'air clairement mieux. Ouais. En fait, on va sortir tout simplement. Hein. Je sais pas de quoi je réfléchis là. Enfin une partie complète. Ah, si je fais ça, il peut tenter le coup. Tac. Tac. Attends. Si je fais là. Non, il n'y a pas de coup, pardon. Autant pour moi. On va faire ça. Alors, je sais pas si t'as le commis, mais il est pas tant que ça devant. Derrière, je veux dire. Peut-être entre 10 et 15 points. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, mais. En fait, ici, c'est du potentiel. S'il a le timing de jouer B4, c'est pas mal. Mais il est mis sous pression, parce que là, si je descends là, ça a l'air chiant. Mais c'est vrai que là, j'ai fait un peu n'importe quoi, en fait. Parce que je veux pas faire tant que ça de points, et il construit des choses, et il peut aller en B4. Ouais. Pas incroyable, forcément, et je laisse le timing de rattraper. Attention, hein, attention. Noir a l'air d'avoir du mal à vivre et il a des groupes difficiles à faire vivre. Non, quand t'es en vacances avec ta femme. Ouais. Ouais, pas mal de bastons, hein, c'est clair. Pas quoi faire. On va connecter ça, c'est gros. Et ensuite, on va s'en aller. J'ai l'impression. Est-ce qu'on a besoin de rajouter un coup avec ça? Ouais, il peut nous couper, hein. Il peut nous couper. C'est possible. Après, s'il nous coupe comme une brute, imaginons ça. Tac, tac. Noir, blanc. Non, il manque la capture ici et tout, ouais. Je regardais s'il n'y avait pas une séquence de coups intéressante. Mais je vais devoir ajouter un coup par ici, sûrement. Zut. C'est énorme dans le Yossé, à ce stade, ça peut vite se rattraper. Ouais, c'est pas faux, là. Ouais. Bon, on va rajouter un coup. Mais ouais, j'ai abusé ici, clairement. On va faire ce genre de coup d'abord. Peut-être. Tac, ça menace quand même ça, qui fait un œil, hein, et après ça, et il y a quand même la base de vie. Hein. Ça a l'air très gros. Ici, il descend en R18, je pense. Ouais, quoique l'Atari. Ah, j'aurais des coups comme M18 tout à l'heure qui seront marrants si jamais j'ai une pierre par là.
Ici, là, ouais, j'ai un bon R18. Mais ouais. À quel moment j'ai laissé quand même bien rattraper dans la partie? Alors ici, il n'y a pas de joli coup, je pense, pour que tout connecter. Peut-être celui-là? Non, ça laisse une forme dégueu. Celui-là aussi, en fait. Ouais, mais là, la forme dégueu est dirigée vers les pierres noires, alors que là, plus vers les pierres blanches. Ça a l'air ok. Bonne fin de soirée, Mad Duck, également. À la prochaine. Et bon tournoi, du coup. Bon tournoi à La Rochelle. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont à La Rochelle, là, dans ceux qui viennent d'arriver. C'est assez stable, t'as une dizaine de points d'avance. C'est resté comme ça. Ouais, mais il a le Sente. Il a le Sente, il faut penser. Et le B4, il fait de l'œil, hein. Oh, c'est timide. Bon, c'est solide, mais c'est un peu timide. Bon, on va compter. On va compter. Bon, là, il y a 5, on va dire. Là, il y a 5, 10. Oh, j'ai une quarantaine de points, hein. J'ai pas tant que ça en fait, un peu plus de 40 peut-être. Ouais, là c'est, on va dire, je compte à peu près, on va dire, autant de points cash, mais j'ai le Sente. À moi de bien l'utiliser, quoi. Ouais, il vient de remettre à égalité, là, je pense, ouais. Là, je compte 45, en fait, des deux côtés, grosso modo. Donc, à moi de bien faire. Mais ouais, c'est moi qui ai guidé vers ça. Si je capture là, je reprends l'avance, mais ça a l'air pas assez gros pour le moment. Ça, c'est pas un lieu, c'est que je peux envisager. Après, je peux toujours aller par là. Parce que maintenant, tout est vivant ici. Donc, par là, ça a l'air de faire chasser les pierres, là. Est-ce que c'est utile? Dans le sens, s'il fait pas tous les points ici, il perd quand même beaucoup de ses points potentiels. Ça a l'air compliqué. C'est vrai que la partie est équilibrée là, en vrai. Ah merde, ma cam. Et pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Bizarre. Je sais pas trop quoi jouer. Ah, on est passé en BMI. Ça serait bien de prévenir. Y a plus le son? Je sais pas quoi faire. La cam a perdu ses lunettes. Ouais, je sais pas, il y a des bugs. Hein. C'est chiant. Yo-yo-mi. Je sais pas, j'y étais pas déjà. Ah non, c'était les 30 secondes avant. Ok, pardon, autant pour moi. On va juste prendre ça, du coup, du gros yossé. J'ai pas l'impression qu'il y ait des grandes choses. Ça menace quand même un peu le coin. Et des séquences un peu loufoques. Oula, beaucoup de messages. Attention au temps, vas-tu de ah, R18, c'était un peu trop tôt. Ouais, pour noir, oui, clairement. Au deuxième tour du championnat de France, il faut avoir fait le premier, non? En individuel? De toute façon, là, t'auras le temps, hein, mais. Ah! Non, oui. Il y a certaines ligues qui font plus tard, oui, aussi bien là, c'est là. Donc, il faut soit avoir été qualifié au premier, soit avoir minimum un niveau de 2Q. FFG.
Et là, t'es qualifié d'office au deuxième tour. Moi, j'ai. On a déjà fait le deuxième tour du championnat de France. D'ailleurs, je suis en train de. Là, je suis en train de sortir petit à petit sur YouTube là, les commentaires des parties que j'y ai jouées. Si tu veux voir ça, Foc. Bah, ça doit être un mail global à ton club, j'imagine. Ou à toute la ligue. Et tu dois être sur la liste des mails. Un nombre de places attribuées au club en fonction du nombre de membres. Ouais, voilà ça. Chaque club qualifie ses membres pour le second tour, donc peu importe ton niveau. Mais c'est au nombre d'inscrits, donc même les qualifiés d'office peuvent participer au premier tour. Ils ne vont pas pouvoir être requalifiés parce qu'ils sont déjà, mais ils peuvent faire grossir le nombre de qualifiés parce que c'est 10, un neuf, qualifié par tranche de, huit, etc. sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Bon, je sais que normalement, quand on pousse dans un Kema, c'est pour couper, mais c'était pour pas perdre une période. Il a pas envie qu'on. Ok, bon, j'ai rien dit. Il va faire ça? C'est intéressant. Parce que si je viens par là, c'est un gros. Que je peux sortir plus facilement maintenant. Il se laisse couper. Ouais, mais je sais pas si maintenant ça sert à. Si je coupe tout de suite, tu me donnes le CNT. Il y aura juste à aller par là et. Il se passe pas grand chose. Le caillou posé. Ouais, voilà, maintenant il faut assumer. Clairement. Allez. Je pensais pas qu'il ferait le contact. Parce que ni contact, ni renforcement des deux joueurs. Si je viens là, je peux faire la taille de l'autre côté. S'il coupe. Ouais, il va peut-être envie de ça. Après, là, c'est gros. C'est très gros. Parce qu'il y a la coupe, là. Là, ça donne beaucoup ici. Hein. Je pense que je capture. Mais là, pour le coup, la coupe, bah, même Kema ici. C'est beaucoup trop. Hein. Plus que ce qu'il nous fait là. Hein. Et ici, j'avais déjà compté à lui, donc. Oui, mais il peut connecter encore maintenant, je suis bête. Je suis bête, il peut encore connecter. Cela dit, s'il connecte, c'est tac, Atari et. Atari comme ça, il y a du co bizarre. Ok, il vient ici. J'ai pas le droit d'aller là, donc on vient ici. Attention à ça, hein. C'est gros, très gros. Pas sûr qu'il le voit. Ouais, ou alors il disait je voulais tous les CNT d'abord. Je regarde s'il y a d'autres choses à jouer qui sont plus souhaitables. Mais je vois pas grand-chose. 10, 9, 8, Ça sera gros 7, aussi. Tac, 6, tac, tac. 5, 4, 3. Mais je pense vraiment que ça c'est intéressant. Mais en vrai, 4-18. S'il répond là, je monte. Ça menace quand même une coupe assez chiante. Mais ça déjà c'est pas mal. Est-ce qu'il a moyen de sauver? Tac, 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 non. Non, non, non. Compliqué. La réponse à F4 semblait assez slack. Noir aime garder le cheveu pâtif en dia. Ouais. Et salut à toi, Bonso Badoc. C'est un nouveau pseudo? Parce que c'est pas ton premier message, mais je me souviens pas de Bonso Badoc.
Ouais, t'as changé? T'as 2010, moi qui l'aime bien aussi. Ça m'a remis du dieu Q. Ok, il vient ici lui-même. Bon, on résiste, mais il a raison peut-être. Il a peut-être raison. Quitte. Ouais, je dois bien connaître. Ok. Un coup à droite, un coup à gauche. Bah du coup je viens par ici. Il va me tuer ici? Bon, ça semble compliqué. Oula. Si je fais ça, qui fait contre-attari, je capture, il coupe. Mais ensuite, je peux aller là. Attends, j'ai une pierre ici. Il peut juste fuir comme ça. Non, Dix, ça, du coup, ça n'a pas l'air neuf, utile. huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Ah, je vais m'écraser un peu parce que là, il a ça qui est bien, mais je le vois pas, j'arrive pas à lire sans perdre une période. Je suis un gros lurker. J'ai dû, à un moment donné, taper de quoi il y a longtemps. Ok. La partie a l'air serrée. Ouais, elle a l'air serrée. Toujours plaisant de regarder cette partie, c'est intéressant. Bah, merci à toi, merci. Merci, merci. Ce qui est intéressant aussi, les parties, c'est bah, les commentaires en fait. De pouvoir discuter la partie et tout, ça rend vivant le truc. Aïe, ok, son objectif, c'est ça. Ok. S'il pousse ici, que je vais là. Ok, ça a l'air d'aller. S'il pousse ici, je vais là. Ça a l'air d'aller. J'ai envie d'exploiter ce qu'il y a ici. Pas juste Dix, suivre son rythme, en fait. neuf, huit, sept, six. On va déjà forcer là. On va déformer au maximum. S'il veut développer quelque chose ici, on va dire non. En allant comme ça. Bonne soirée, Sophie. À la prochaine. Bonne fin de semaine, surtout. Bizarre ce contact. Ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas, je sais pas. Il va réduire un petit peu, hein, mais il va peut-être perdre plus ici maintenant. En vrai, juste un J17, je pense que c'était honorable pour lui. Je sais pas. Mais elle est bizarre comme partie, je trouve. C'est dur de savoir où donner de la tête. Ah, il a sa dernière période. Pourquoi ça me prévient pas pour l'adversaire par contre? Faudra faire attention quand même pour lui. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Couper, non. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Tac, il va là, je vais là. Coupe. Dix, neuf, huit, sept, six, Ouais, ça a l'air compliqué quand cinq. même. On va aller là gentiment, même sans. Il va au-dessus, hein, mais bon. Ça semblait très risqué de monter. Je vais revenir là. Il va faire atterri et atterri par là? C'est possible ça? Non, il prend pas le risque. Ça avait semblé compliqué avec cet atterri puis la remontée. On va aller là. Il va falloir recompter un peu. Bah, j'ai l'impression aussi, hein, il donne beaucoup. La capture ici devient très grosse. Hein.
Un bon yossé par là. Un bon yossé par là. Cette descente, pourquoi pas. Je peux aller jusqu'ici? En fait, oui, je peux aller jusqu'ici, mais c'est pas dit que ce soit bon, parce qu'il peut aller là, je Dix, vais là. neuf, Et il peut connecter huit, sa pierre, j'imagine. sept, six, cinq, quatre, trois. Peut-être ça, tout simplement. On va taper dessus. Il recule et on capture cette paire du coup. Ça sert à rien de faire ça, de toute manière il peut mettre Atari donc. Ça sert à rien, on va capturer ça. On devait le faire un jour ou l'autre donc. Autant que faire quand on y est forcé, on va dire. Ok, ça semble gros. C'est vrai. 10, 9, 8, Ouais. 7. Obligé. Je sais pas pourquoi je réfléchis trop, mais. Gros, c'est aussi. Ouais. Ouais, il réfléchit bien, hein, ça c'est sûr, il prend son temps. Là, par contre, il se retire une liberté, il va falloir calculer avec ça. Ouais, parce que là, ça, il semblait y avoir des conneries ici. Tac, tac, tac. On va revenir par là, s'il capture ça, tac. Ça, du coup, je vais aller là. Et ça m'a permis de descendre ici, c'est pas mal. Maintenant, il faut qu'il aille en B4. Hein. Ça a l'air chiant, du B3. Ce qu'il y a tout à l'heure, c'est qu'avec son B4, il avait des coups chiants par là. Maintenant, non. Il reste quoi de gros du coup? Ça. Bon, gros. Ici, il y aura des trucs. Hein. Il y a tellement de petits. De groupes séparés, il y aura des petites formes chiantes pour lui. Ouais, ça, c'est gros, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien qu'il réfléchisse long. Ça bête? De quoi ça bête? C'est quoi ça bête? C'est le T9? J'ai le droit d'aller là quand même. Là, il perd son UC, non? Tac. 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 Ça revient au même. Ça aide, ok. Oui. Est-ce que j'ai pas le droit d'aller là maintenant en fait? C'est pas un peu dommage pour lui? Si je vais là. S'il connecte, on capture. S'il va là, on capture. Ouais, c'est dommage. Il vient de perdre perdre le Yossé. Ouais, là, il donne pas mal, hein, c'est clair. Goté, mais bon. Devait être goté de toute manière. Je sais pas s'il joue bien le Yossé, hein, en vrai. Je trouve qu'il jouait mieux avant le Yossé. Justement parce qu'il a plus de temps aussi, il faut dire. Voilà, ça c'est gros, on est d'accord. On est d'accord. Bon. Ça? Pas trop ce qui reste en fait. Je sais pas trop ce qui reste. On est ici déjà. 10, 9, 8. Ça enlève un point. Santé, je pense. Il reste un coup sympa. Ouais, 18, j'imagine.
10, 9, tac, tac, 8, tac. 7, 6, 5, 4, 3. Pas un 2. Truc ici, ça. Pas des petits trucs ici. Tellement il a de groupes en fait, il y a forcément des conneries. Yes, ok, d'accord. Tac. S'il vient ici, je vais là. S'il vient là, c'est là. Ouais, c'est con. Nice, mais si tu faisais pas ça, je perdais. Je faisais la même en J10. Ça marchait ? J10 marchait ? Bon, je regarde. Voilà, c'est pour rentrer plus qu'un peu, j'ai l'impression. Mais ouais, il devait sacrifier cette pierre-là. Clairement. Vous avez gagné. Je lui dis merci. De quoi donc ? Variation, c'est dead ça. Pourquoi je réponds ça? Je viens là? S'il vient ici, c'est comme ça. Donc c'est bon. Belle game. Ouais, bordélique, mais belle game, ouais. Non, c'est un billion qui arrive clairement sur la fin, là. J10 marchait pas depuis P10, non? Ouais, moi, le J10, j'ai du mal à voir pourquoi. On va regarder ça. Et on va regarder pas mal de choses, vous avez dit pas mal de choses durant la partie, j'aurais pas tout retenu. J10. Par rapport à ça? J'ai pas l'impression que ça marche. Mais, j'aurais dû surveiller, parce que plus tard dans l'IOC peut-être. C'est vrai, plus tard ça aurait peut-être marché. Ah oui, c'est peut-être bon, je pensais que ça marchait merdé avec le bas. Non, ouais, ça a l'air bon, ouais. Ok, ouais, peut-être. C'est pour ça qu'il faut pas toucher aux libertés en général. On va regarder ça? J'hésite à la regarder sur 4 trains directement. Je sais pas si c'est intéressant. Ouais, ça peut être bien de la regarder sur 4 trains en vrai. Je vais juste supprimer les branches du coup. Comment on fait? Supprimer une branche. Hop. Et supprimer une branche. Hop. Toc. On va sauvegarder, télécharger le SGF. Hop. Oups, pardon. SGF. On est le quoi? On est 16. Mais. Hop. Nickel. Tac. Mince. Décidément. Tac. Et je mets ici. Voilà. Alors. Je préfère faire une fois sans et après avec perso pour comparer les idées. On peut. On peut tout à fait. Moi j'ai fait la partie sur 4 et tu étais en retard jusqu'au moment où on en a parlé. Ok. Ah oui, le graphe mettait les noirs devant une bonne partie. Il était qu'au tout début pour l'instant, le graphe. Ah, vous avez déjà regardé peut-être de votre côté. Ah non, mais celui-là, je suis bête. Oui. Ouais, effectivement, c'est... Je pense que c'est là où je merde en fait quand je vais en haut, non? Ouais, c'est au début de là, ouais. Je pense pas que la partie était si serrée, mais c'est intéressant justement, c'est bien. C'est bien. Sudo GS, ouais, j'avais pas fait gaffe plus que ça. Du coup, ouais, j'ai... Bon, la scène n'est pas incroyable du coup, parce que j'ai pas programmé pour review de partie, et ça change un peu, je sais pas pourquoi ils sont décalés, pourquoi ils ont fait ça. Allez, on va regarder ça un peu, tac, tac, tac. Bon, ça, je pense qu'il y a un particulier, hein.
C'est comme ça que ça se joue, je crois, à peu près. Hein. Je viens là. Il vient ici. Ouais. En fait, c'est particulier parce que c'est Fuseki croisé. Mais je me disais que ça, c'était peut-être, même si je suis Sente, peut-être un peu trop gentil. Après, je suis Sente. Je peux faire une sorte de double approche ici, c'est chiant. Mais ce bord est pas intéressant pour moi. Peut-être de ce côté. Peut-être plus intéressant déjà. C'est dur à dire. Le score s'inverse vers le coup 150 selon l'IA. Ouais, on regardera ça. C'est ça, 140-150. Un peu sans âme, mais bon, les pots. Gigo aussi. Ah, bonne soirée, Runboy. À la prochaine, du coup. Peut-être à Brest. Je passerai quelques fois cet été. Ah, t'es parti, le phoque aussi, pardon. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Non, pas Catherine, il est fou. Pourquoi donc, BFM? Toi, t'aimes bien avec blanc? Bah, il faut aimer les points, quoi, ouais. Faut aimer les points. Moi, j'aime les points aussi. Tac, tac, tac. Donc là, ça se joue comme ça. Ça, c'est un peu bizarre de la part de... Ouais, la séquence que je voyais ici, là, dont je vous parlais, c'était tac, tac. Il peut pas faire ça, il me semble. Parce que là, je descends ici. Et s'il fait ça, c'est compliqué, en fait. Tac, tac, tac. Et en fait, il est mort. Donc c'est un peu compliqué de faire ça, j'ai l'impression. Ça a l'air un peu tendu. Bon, bien sûr, hein, s'il fait ça et que je descends là, je pense qu'il fait ça tous les jours, hein, bien sûr, bien sûr. Mais c'était vraiment le... Quand je l'ai lu, j'étais là, ah, dans l'idéal, ça pourrait passer. Ouais, mais ça serait passé, non? Ça aurait été marrant que ça passe. Je viens de passer 2 cas. Effectivement. Mince, qu'est-ce que... J'appuie sur quoi? Ok. Le clicker fou. Mais là, ouais, il fait ça, et voilà. Mais c'est cool, ça a l'air cool. Mais ouais, attention à la coupe, peut-être. Ouais, en fait, c'est peut-être un peu risqué. Mais ouais, dans la partie, du coup... Peut-être faire ça, tout simplement. C'est plus sage. S'il descend comme ça... On a toujours des coups chiants par là, non? Parce que si ça se passe comme ça, y'a pas ça tout simplement? Chichot. On pourrait regarder ici si P3 marchait pour noir par la suite. Ouais, on va regarder ça. P3 plutôt que Q2, donc ok, bon, vous le voulez ce P3. P3. Et du coup, il descend. Et du coup, il y a moins d'intérêt à faire ça. Parce qu'en fait, tout simplement, quand il capture... Ouais, il est déjà vivant dans le coin, ok. Pour noir, à la place de Q2. Ah, plus tard. Et du coup, vous disiez ça. Et la connexion? Ça, ça marche pas parce qu'il y a ça, je crois. Il y a ce coup-là. S'il capture Atari, bien sûr, et on va par là, et ça a l'air mort. Et à la place de capture, il vient ici, on connecte. S'il va là, on va ici, il est mort. J'ai l'impression, non? S'il fait ça... Ah, on doit reculer. Non, ça a l'air... Ah, oh, attendez. S'il descend... Ah... Donc, pas ça. Ça. Et là, il peut pas faire ça sinon on descend. Ouais, c'est ça. Et s'il capture, ça revient à ça. Ok, non, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt S3, ma réponse. S3 ici. S3 premier coup, plus précis. Ouais, clairement, clairement. Clairement plus efficace, on le voit. Donc non, ça n'a pas l'air de très bien. Mince, pardon. Ça a pas l'air de très bien marcher ce coup-là pour noir. Cette séquence comme ça.
Même s'il récupère quelque chose ici, il meurt de ce côté. À cause de S3. Mais ça se sentait, ouais. Enfin, ça se regardait. Parce que du coup, non, ça se sentait pas, mais... Tac, on vient ici, il va là. Et ouais, même si je peux aller par là. Je pense que cette coupe, c'est juste de l'embarras pour plus tard. Peut-être qu'il coupe pas tout de suite, mais ça pendrait au nez. Je pense que je peux couper, c'est la partie équilibrée. Ouais, ça fait moins 2 quand même. Mais bon, moins 2, ça va. Allez, il va ici. Ouais, si, c'est gros. Qu'est-ce qu'on aimerait? Ouais, c'est vrai qu'on aimerait ça. La partie est différente si on fait ça, c'est vrai. Le temps qu'il coupe. Faudra faire attention, c'est des pierres de coupe quand même. Mais en vrai, on fait un truc comme ça, c'est très léger. Il y a toujours cette coupe qui existe. Et on a pu aller en E7. C'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Plus F3 devient très intéressant quand même. Donc dans la partie tac tac tac, j'ai connecté. On vient ici. Je sais plus trop ce que vous aviez demandé à certains moments. Oui, ici, vous disiez qu'ici c'était beaucoup mieux. Je sais plus qui dit ça. C'était pas Shining Blood, c'était. Ah si, peut-être que c'était Shining Blood. Mais que ça c'était plus efficace. Tout simplement. Et il s'en va comme dans la partie. Bon. Est-ce qu'il peut aller jusque là quand même? Ok. Et là, je peux pas couper. Mais j'imagine. Bon, en fait, je saute, j'imagine, hein, tout simplement. Hein. Ouais. C'est grosse comme ça, quoi. Tout simplement. Et là, on est bien content d'avoir connecté, effectivement. Ouais, c'est sûrement un truc du genre. Maintenant, je pense qu'on a envie de jouer par là pour noir. Ça a l'air d'être quand même assez cool. Ou alors ça, je comprendrais. J'aime bien aussi casse-7. Ok. En fait, ce que je disais avec ça, c'est qu'il pouvait pas forcer. Parce que s'il coupait, j'allais là. Et tac, 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 tac. Ok. Mais ensuite, même s'il fait Atari, Atari, et qu'il essaye de sortir, j'ai ça. Capture. J'ai Atari, il vient là. Et j'ai l'impression que ça pouvait marcher. Je sais pas. C'est peut-être compliqué. On verra ça avec Catherine, je pense, ensuite. Et j'avais l'impression que je pouvais... T'as beaucoup de couple là. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'avais l'impression qu'il pouvait être dans la merde rapidement. Après, ouais, c'est chaud parce que si à un moment il chope plus de 3 libertés et qu'il fait ça, bon, ça pue. Ouais, en fait, même là, il vient... Bah non, il peut pas venir là tout de suite, mais... Oups, je sais plus sur quoi. Ouais. Tac. Imaginons quoi. Le problème, c'est qu'il est obligé de trouver des libertés par là, d'abord. Et s'il fait ça, il est pas content. Parce qu'il retire quand même une faiblesse par là. Mais il connecte là, disons. J'ai pas le temps de faire ça, je pense. Si, j'ai le temps. Là, théoriquement, j'aurais le temps, mais... Tac, tac. Ah non, c'est cool. Ouais, compliqué. Peut-être un peu compliqué, ouais. Après, un coup sur ça, il n'y a pas de menace. Hein. Mais oui, oui, du coup, c'est un poil agressif, du coup, ce coup. Peut-être que votre Toby... Bah, non. Votre Toby est meilleur. Tout simplement. C'est sûr. Peut-être qu'il peut jouer J6 direct aussi. Ouais, peut-être qu'il peut sortir direct. Ouais, c'est dur. Hein. On verra ça, ouais. Donc là, il saute comme ça. Je pousse une fois. Je suis pas très fan de me pousser ici parce que ça a pas mal renforcé. Ici, je pense que je dois me casser direct. En vrai, je me casse direct. Je pense que c'est mauvais de renforcer parce que j'ai beaucoup plus de potentiel ici direct. Ici, c'est pas mal. Je regardais ça. Effectivement, là, ça a du mal à marcher parce que il y a pas de... J'ai rien. Mais tout simplement, la table, c'est très bien. Pas besoin de faire la table améliorée.
C'est bien ça. Tac. On doit la partie comme ça. Ça, j'ai pas trop compris. Et il vient ici. Et là, il a pas mal donné, ouais. Mais en même temps, s'il fait ça... Est-ce qu'il peut s'en sortir, là? Parce que s'il continue, on peut couper? Non. Si. Bah si, si, on peut couper. Ah. Donc il a pas droit de monter là. Donc, par exemple, ça, ça a l'air bizarre. Bah, je peux encore couper, en fait. Donc il est obligé de faire ça. Et... Non. Non, non, c'est bon pour lui. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Donc, Nobi. Nobi, ça a l'air pas mal. À la rigueur, je peux monter une fois. Et quand il va par là, je peux essayer par là. Si je veux faire courir. Ouais. Mais dans la partie, il se trompe. Et je récupère pas mal. Mais il me coupe quand même. Donc, peut-être que je dois d'abord. Oh, ça change rien que je fasse ça. Hein. Non, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. C'est pareil que la séquence de la partie. C'est qu'ils sont pareils. Ok. Tac. Et là, peut-être que je dois tout simplement aller là tout de suite. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui marchent mieux ici. T'es bien là. Ouais, là, je suis bien dans la partie, je pense. Bon, ils mettent noir plus 5, mais j'ai l'impression que je suis bien, je sais pas. C'est bizarre, ce de noir plus 5. Blanc, S8. S8 ? Ah, avant. Avant ça. Faire ça maintenant. Et lui, il est aussi bien, il se dit à ce moment-là, oui, mais tu peux pas prendre ma pierre. Et du coup, sacrifier ça et couper ça maintenant. Attention à cette coupe, peut-être, mais... Ouais, cette coupe a l'air chiante quand même. Ou alors je coupe pas du tout et je dis on sacrifie ça et on le fait courir toujours, en fait, tout simplement. Ça peut être une idée. Par contre, R12 un peu bas. Q13, j'aurais joué plutôt que S11. Ouais, je sais pas dans quelle séquence du coup. Mais c'est vrai que ça c'est peut-être un peu bizarre. Ça, ça a l'air de passer parce qu'il peut pas me couper de ce côté. Et s'il vient de ce côté et qu'il coupe, je dois avoir ça. Non. J'ai un double atterri ici en fait. S'il va là, je capture ça. S'il va là, je capture ça et ces pierres-là risquent un guetta. Non, mais s'il se casse, je peux capturer ça. Ok, ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bon, cela dit, du coup, à cause de ça, il coupe jamais. Hein. Il coupe pas, on s'entend bien, mais ouais, effectivement, ça a l'air plus rapide. Je peux m'appuyer, sortir, m'appuyer ou n'importe quoi. Je peux même d'abord faire ça et partir. Ça a l'air d'être ok. Parce que ici, ça va. Ok. Q13, j'aurais plutôt joué que R11, tu dis plutôt. Et mon R11, c'est... Ah, le Toby. Pouf, 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 pouf. Donc ici, à la place de R11, t'aurais été en Q13. T'as pas peur de... ça ? Q12. Ah, Q12. Sûrement ça en fait. Bah non, tu peux pas, c'est des pierres de coupe. Ça a l'air quand même important ça. Plus ça, plus ça. Je sais pas. Ça a l'air chaud quand même. Ça a l'air un peu chaud. C'est vrai que je me trompe avec le clavier. Pas de soucis, pas de soucis. Plus Q2, la forme, oui. Ouais. Mais ça a l'air compliqué, non? Ou alors vous êtes dans l'optique vraiment d'abandonner ces pierres-là. Mais du coup, ces pierres-là ne sont plus du tout attaquables. C'est un peu chiant, non?
L'impression. Après, oui, on détruit complètement ça, mais. Mais ça fait peu de points. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et nous, on vient détruire ici, et s'il essaie de résister. Ouais. Non, c'est vrai. On vient par ici, un truc genre. Ou en bas à gauche. Ouais, ça a l'air d'être ok. Peut-être. Tac, tac, tac. Et P11 au lieu de R12. Ou c'est bizarre. P11 au lieu de R12. P11. Ok, là c'est encore plus parce que nous on regardait ça. Et ça. En fait, il y a la coupe directe. Non? P11, c'est peut-être un peu risqué. Peut-être un peu trop coupable, direct. C'est trop bien, c'est revu. Voilà, c'est sympa, là, je trouve. Il y a pas mal de choses à voir, en fait, c'est trop bien. Allez, il y aura peut-être sur Internet, celle-là. Je pense que ça peut plaire à quelqu'un. Bon, sur Dugo, en général, sur Internet, on fait pas beaucoup de vues, mais en général, les gens aiment bien les quelques-uns qui regardent. Ouais, tu sacrifies, ça joue aussi. Ça se joue aussi? Ok. Sacrifie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je comprends. On peut faire ça, même si c'est douloureux ça. Ou alors ça. Ça. Oui. Ça se joue. Mais je sais pas, on obtient moins que tout à l'heure. Là, on a juste un goût faible. Je préfère l'autre séquence. Concrètement, je préfère l'autre séquence. Oui, bon, celle-là, forcément. Hein. Non, pas celle-là. Oh, je sais plus. Oula, je suis parti trop loin, là. Bon, on va la refaire, l'autre séquence. On sacrifie plutôt et on vient là. Et c'était un truc genre. Truc genre comme ça. Je préfère largement. Parce que. Il fait moins de points que tout à l'heure, on s'est un peu installé là et on a le Sente. Je préfère. Non, moi je déteste le coup. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais ici? T10 ça place vite. Oui, pardon, T10 d'abord. Il peut faire ça, mais. Pff, ouais. Ça rajoute pas beaucoup de T10 en fait. Ça change pas grand-chose, je pense. Ouais, c'est ça en fait le problème, ça change pas grand-chose. Autant faire ça. Mais là, c'est un peu chiant, ouais. Ou alors, une fois qu'on a fait ça, juste pousser, parce qu'il peut pas bloquer là, j'ai l'impression. Ou alors il sacrifie, non, c'est pas vrai. Il sacrifie ça, mais là on est trop content. Et en même temps, s'il pousse de l'autre côté, bon, ça va revenir au même. Ça va revenir au même. Ok. Peut-être qu'on doit couper en fait. Est-ce que ça se pose cette question? Encore le scorpion. Ah, ça a l'air compliqué à cause de cette attaque. Non, la coupe est sûrement abusive. Non, c'est pas bon. Non, peut-être qu'on doit finir sur ça, mais c'est chiant du coup. C'est chiant. Plus l'extérieur direct. Ouais, peut-être le saut du coup, le Toby. Et laisser ça, tout ça plus tard. Donc on fait ça, il vient là et on saute. Pas impossible du coup. Se donner de l'air tout de suite. Ça menace d'enfermer et c'est agréable d'enfermer toujours. Et maintenant on accepterait plus les séquences par là et même on a d'autres choix. Un coup en O17, c'est sur la même ligne, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Là, c'était un peu bizarre, ouais. Ça aussi, c'est carrément bizarre. Ça, vraiment, il faudra que je regarde avec Catherine ce que j'ai foutu.
Après, on sort, hein. Mais bon, c'est pas beau, quoi. Ça, très lent. Je suis sûr, ça, c'est pas très bon. Et là aussi, un peu timide, tête. Ça. On vient ici, et là, il mène de 10 points. Ok. Il mène de 10 points ici. Donc, on est dans la merde, hein. C'est vrai que, en fait, peut-être qu'ici, il n'y a rien. Et qu'il peut nous tuer s'il est plus sévère. Et ça, c'est le genre de truc qu'on va voir avec Catherine, je pense plus. Ici. Ouais, ça, c'était bizarre aussi. C'était très bizarre. Ou alors, tu fais ça, quoi. Je sais pas. Non, ouais, là, c'est vraiment c'est le coup quand t'as peur pour ta vie. Mais il a pas peur pour sa vie, là. Donc ça, c'est un peu bizarre. Et là... Est-ce que j'ai pas de meilleure façon de... Peut-être que je dois faire ça, parce que là, il s'était développé beaucoup de points ici. Peut-être que je dois... Pardon. Peut-être que je dois faire ça. Ici, il coupe. Truc comme ça. Là, il a envie de forcer là. Et je suis peut-être un peu mieux maintenant. Non, il faut pas que je force une deuxième fois. Quoique... Je peux, s'il bloque, on fait un truc comme ça, et on joue sur ça. Même s'il peut prendre les pierres, c'est goté. Imaginons un truc comme ça, et on a le centé, ça va en fait. Il y a beaucoup moins que dans la partie. Bref, c'est complètement différent. M17 en réponse à L16. Dans la partie où est-ce que je viens de jouer là? Ouais, non, mais L16 c'est là, je suis bête. Alors, tac 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 tac. Dans la partie quand il a joué L16. Beaucoup plus tôt, désolé, là je me suis emporté. quand il vient en L16. Tac, tu dis M17. C'est ça. Isolé de pierre. Ça peut être pas mal en fait, c'est vrai, grâce à mes pierres à côté. Parce que s'il vient là, je vais là. S'il vient ici, je vais là. Il a des problèmes de coupe à régler, mais ouais, ça c'est peut-être risqué. Non, ça a l'air de passer. Et maintenant, on vient ici, et s'il fait ça, ensuite il protège. Et tout mégo, tout mégo. Est-ce que ça marche? Ça a l'air compliqué. Pouf, pouf. Ça a l'air plus que compliqué. Donc, il faut vivre et on ferait. Ça vit pas, ça. Ça ne vit pas trop. Oser, ouais, peut-être. Déjà, peut-être que je peux faire ça. Peut-être que ça, c'est déjà un peu mieux. Tac, tac. Il revient protégé. Et ça va peut-être davantage ressembler à une forme vivante. Ou pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Peut-être du coup... En fait, c'est la forme P18, mais peut-être que là, Q18, tout simplement. Et ça devrait suffire. Devrait. Pas facile, hein. J'essaie de trouver une vie. Ça. Ouais, peut-être que ça vise. Tac, tac. Tac, tac. Ça a l'air de vivre. Mais bon. Peut-être L19 pour vivre. L19. Ici, là, maintenant. Ouh, ça, c'est bizarre, peut-être. Ça, c'est osé aussi. Hein. Non, non, ça, ça marche pas. Quand t'avais la très grosse forme. Tac. Tac. Quand je disais ça.
Je pense pas. Hein. Ouais, après, il y a la somme. Ouais, si, parce qu'il y a ça, peut-être. Possible. Possible, parce que même maintenant, des trucs comme ça se questionne beaucoup. Effectivement, il peut plus descendre, sinon on capture. S'il va là, on peut aller comme ça. Ok. C'est osé. C'est osé. Alors, Automode a retenu un message pour la race suivante. Race, origine ethnique ou religion? Parce que tu as dit, sur 13, tu réponds Ennis. Quoi? Autorisé. On ne te reprenne pas là-dessus. Hein. Sur 13, tu réponds N19. Ouais. Non, mais ça a l'air d'être pas mal, effectivement. Hein, ça a l'air de passer. Donc, il y a des moyens de vivre. Donc, ouais, pastèque, effectivement. Il y a les moyens, mais oh. Bon, il faut pas souper. Hein, parce que sinon, tu donnes énormément. Mais effectivement. Du coup, ça, c'est peut-être un peu timide. Maintenant qu'on voit que ça marche, c'est effectivement un peu timide parce que là, on a donné beaucoup et c'est con. Voilà. Je pense qu'on a vu le principal. On va regarder sur. Hop, sur ça. Je dis pas que j'avais vu la vie inconditionnellement. Hein. Faudra qu'on se fasse une petite partie sur OGS à l'occasion. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On fera ça. Noir, blanc, noir, blanc. Effectivement, noir prend une belle avance ici. Donc, on a vu la plupart. Hein. On vérifie juste quand est-ce qu'il y a eu des. On va dire jaune, ça va. On regarde s'il y a du rouge, tout ça. Il pousse là, on fait de l'âge pour aller en hobby, là je tricote un peu. Il coupe pas tout de suite. Ok, d'accord, c'est après, oui, c'est très gros de faire ça. Ok, pour moi, tant que c'est vivant, ça va, mais. Oui, c'est très très gros. Ici, ils me disent de Tenuki, bon, ça c'est l'IA. Hein. Je pense que ouais, les points verts, c'est plutôt ok. Il vient ici. Et après, oui, ça se joue tout à fait. Ok, bon. Les séquences sont un peu bizarres. Hein. Après, il n'y a pas de grosses erreurs d'un jeu. J'allais dire, il n'y a pas de grosses erreurs. Bon, ok. Là, la première grosse erreur, c'est moi ici. Je dois aller là. Il connecte. Oh, c'est pas du tout intuitif. Hein. De laisser couper comme ça, déchirer le climat. Et en même temps, il propose même ça aussi à un moment. Après, oui, c'est très gros de faire ça. Bizarre quand même. Double batte de vie, peut-être. Ouais, je sais. Ouais, peut-être. E14, je vois jamais ça. E14. Ouais, c'est un ancien de Joseki. C'est ancien, c'est ancien. Je me demande si ça existe encore. Je te. Essaye de regarder un peu. Sur internet, t'as pas mal de vidéos de Joseki, tout ça, moderne. Bon, en français, maintenant plus en anglais. Mais n'hésite pas à aller checker ça. Go Inside, par exemple, l'a très bien fait. Je vais t'envoyer la vidéo, je pense. Tac, tac. Ici, je dois descendre. Mais oui, en plus, je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Quand vous êtes mis en atterri sur la troisième ligne, descendez une fois. Je le dis tout le temps et je le fais. Je me l'applique pas moi-même. Là, on fait pas mal d'erreurs tous les deux. Et je vais là. Et après, il faut aller là. C'est bien. Il capture. Et là, ouais, c'était un peu trop. Il faut que je protège là. Pour l'atterri. Donc, on avait. En fait, on avait semi tous raison. Vous disiez par rapport à cet atterri qu'il fallait faire attention. Bah oui, effectivement. Donc. C'est pas R2 qui est mauvais, c'est après aller en S2. Je pensais que c'était bien. C'est quand même -3, c'est quand même gros. Donc je vais là. Il protège, ça c'est assez petit aussi. Et du coup, on se sent obligé de revenir pour protéger, alors qu'on aurait, on devrait pas avoir besoin. Bref, ce qu'on voulait regarder surtout, c'était, ben voilà, notamment ici. Et ben c'est aucun des deux. On va regarder combien il vaut celui-là. Ouais, c'est kiff-kiff. Hein. Ouh, attends, mais pourquoi il augmente? On va taper sur espace, comme ça on voit un peu plus. Il analyse un peu plus sa position. Bon, de toute façon, c'était aucun de nous, de toute façon. C'était là. Mais de la pression tout de suite. On en parlait en plus de ce coup, mais depuis qu'il était vivant, je trouvais que c'était moins important. Mais bon. Le tien est meilleur. Ouais, 0,5, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Qu'est-ce qu'il dit avec ça? Qu'il ignore. Qui veulent, ok. Ça a l'air important, ça. On n'arrive pas à voir les coups importants. Ouais, ok, même si je vais là, c'est là-bas qui va. C'est intéressant. Il sacrifie ses pierres, là. Tellement c'est gros à gauche, aussi. Putain, je savais pas que c'était aussi gros.
Peut-être parce que je suis pas sûr d'avoir assez de place pour vivre, ou alors il y a un co, un truc genre. Et du coup, il se dit, ça vaut le coup. Parce qu'il y aura une répercussion plus tard dans la partie. Ça doit être ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'important à regarder? Oui, la séquence à droite, là. Déjà ici, qu'est-ce que je devais faire? Tac, tac, tac. Bah, lui, là, c'est ça, c'est une grosse erreur. On va là, on coupe. Tac. Il va ici, et voilà, ça. Ok. Ça, on avait parlé, mais pas tout de suite. On pensait après pour... Ah non, c'était dans une autre séquence où on voulait faire courir différemment. Mais ok, c'est envisageable. Et sinon... ce coup-là n'est pas envisagé, désolé. C'était Pastèque, je crois. Mais par contre, celui de Shane Blood était envisagé, ouais. B13, le problème à gauche. Ouais, clairement, franchement, depuis le début, là, ça dit d'aller là, et... Même là, ils envisagent de ce coup-là, que c'est tolérable de venir maintenant, tellement c'est gros, quoi. Alors qu'on n'est pas du tout sur ce propos-là. J'avais aussi le coup de l'IA. Ok. Cool, je me suis pas trompé sur mon estimation de S2 dans cette position sur ce timing. Ouais, ouais, il fallait plutôt P2, du coup. Faire la double, ben, la forme, la double gueule de tigre. Il protégeait pas mal. Et pour lui, c'était peut-être un peu lent d'aller là, et au pire, on avait le S1. Pardon, pas maintenant. Oui, moins 12, oui. Et encore, je suis surpris que ce soit que moins 12. Ok. Tac. Et là, effectivement, il faut pas aller là. Il faut monter. Ou aller là, bien sûr. Mais ça, on l'aura peut-être pas trouvé nous-mêmes. Allez là tout de suite. Tac. Ça permet d'aller là. Là, il y a un double atari qui s'accueille. Enfin, ok. Ça donnera un sacré mur quand même, mais pas mal. Ok, après oui, normalement on aurait dû mourir. Parce qu'il nous dit de partir là-bas. C'est intéressant. Ouais, là, c'est tellement particulier que les coups de l'IA... Ouais. C'est des coups de pro, quoi, en fait. Il faut le trouver, quoi. Il faut avoir vraiment beaucoup de temps pour y réfléchir, c'est le problème, quoi. Là, ça, c'est vraiment pas évident. C'est quoi, c'est... Je vais tout sacrifier, ou... C'est chaud. L'IA, elle donne moins de valeur au mur. Ouais, oui, oui. Bah oui, forcément, l'influence, c'est rien. Pour l'IA, ouais. Bref. Et ici, en haut... Bon, c'était pas l'idéal d'envahir là. Il va ici. Et en fait, on fait n'importe quoi. Ici, est-ce qu'elle aime bien? Du coup, la question, ça va être, moi, c'est moins 4-3, et toi, c'est moins 1-6, donc ça va au moins 2-8, entre 9. Ouais, ok. Désolé, le faux espoir. Le faux espoir. Bon, voilà, on va pas trop regarder non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses particulières. Est-ce que cette invasion se... Ok, c'était le bon timing, après oui. Quand tu disais Shine Blood, le caillou est posé. Après oui, c'était le bon timing. Il va ici. Ok. Bon, j'ai joué le plus 0,5, ça va. Et lui, il conseille d'ailleurs, pourquoi il conseille un moins 0,2 par rapport à plus 0,5, mais... Celui-là, je l'aurais pas eu, je pense. Tac, tac, Atari, tac, capture. Ok. On va juste regarder les grandes variations ici. Les grosses erreurs qu'il y a ici. Tac. Et il doit faire ça tout de suite, là, ce dont parlait Rumboy tout à l'heure. Ouais, c'est pour créer la Geo Max, quoi. Ok, c'est pour... C'est marrant que ce soit quand même moins 10, c'est violent. Et là, je dois venir tout de suite. Ah bah oui, parce que ça protège pas ça. Alors que la séquence ici, du coup, si on regarde... Bah attends, elle protège pas, du coup. Et ils disent là. Oui, mais après il sacrifie, je suis bête. Il peut sacrifier. Ok. Et là, il va y avoir des gros coups. Ça, c'est moins 20. Est-ce que je peux faire ça? Ok, d'accord. C'est parce que c'est moins 20, c'est pas un mauvais coup, c'est seulement qu'il y a le très gros ici qui est possible, qui a fini la partie. Ok. C'est pour ça. Donc c'est pour ça les montées-descentes, parce qu'on oublie tous les deux. D'accord. Bref. Voilà, voilà. Hop. Ouf. On va revenir ici.